Bonjour à tous et à toutes, c'est Olivier en Plasma et on est parti pour un direct live, une vidéo découverte de Resident Evil Revelation 2. Cette fois-ci sur un épisode spécial. Bon, je vais presque pas avancer dans l'histoire par rapport à la dernière fois. Nous allons voir ce que c'est. Bon allez, on va laisser en facile. Parce que j'étais un peu un noob la dernière fois. Tu aurais dû te rendre service et mourir quand tu en avais la chance, Kruska. Génial. Où est-ce que tu vas? Si tu peux bouger, va-t'en. Un malheur n'arrive jamais seul. Ok, bien sûr, Rasputin. Je vais me tirer d'ici. Mais je l'ai pas fait. Impossible. Où serais-je allé? Alors, on a passé un marché. Il m'hébergeait aussi longtemps que je pouvais me débrouiller. Et ce fut le début merdique de si longs mois. Alors, description d'un combat, le nom de cet épisode spécial. Ça fait déjà 8 semaines que j'ai perdu la trace de Claire. Le vieil homme m'a extirpé des débris et m'a rafistolé. Mon bracelet, lui, n'a jamais changé de couleur. Et je me suis jamais transformée en l'une de ces choses. J'ai de la chance, hein? Dès que j'ai pu remarcher, le vieux m'a dit que je devais aider pour la chasse. Pour préciser, celui qui veut manger, il doit tuer. C'est une des règles de la maison. Les armes, tu connais? Plus ou moins. Bien, collecte tes propres munitions. Si t'en as pas, tant pis pour toi. Ok, ça marche. Je serai pas un fardeau. Dans cet épisode, vous devez utiliser les vivres. Si vous désirez recommencer une mission, vous pouvez obtenir des vivres en tuant des animaux. Si vous n'avez pas assez de vivres, vous avez... vous êtes game over. Non, vous avez un game over, c'est mieux. Vos données de sauvegarde pour cet épisode seront effacées. Attends, j'ai pas bien lu. Vos données de sauvegarde seront effacées pour cet épisode? Très important. Arrive avant le coucher du soleil. Bon, d'accord. Ça se trouve, ça a effacé en fait ce qu'on a fait avant. Je te souhaite bon appétit à toi aussi. Je t'ai aidé, maintenant tu m'aides. Très important de payer ces dettes. Et on a 12 minutes, je sais pas pourquoi. Avant que tu meurs de vieillesse. Oh, l'effet des herbes, c'est incroyable. Les herbes qui sont mises en 2D, hein, c'est tellement beau. Et c'est mieux fait dans Far Cry 4. Ah, des munitions, il y en a partout. On voit un rat qui passe au travers là. Ah voilà, c'est la magie Capcom, hein, que voulez-vous.
Alors, je viens de récupérer un Easy. Voilà, c'est parti, c'est la chasse au lapin. C'est pas rien. On sait pas s'il y a des zombies ici. Hein. Ça, lapinou! J'ai faim, mais... pauvre animal. Tu t'habitueras, tu verras. Ah, on est avec un Tiens, vieux SDF. J'ai horreur des armes à feu. Travaille au lieu de pleurnicher. Et lave-toi la bouche avec le savon. D'accord, Barry. Barry? Aïe, parce qu'elle se dit qu'il a le même comportement que son père. Ouais, bon. On va gambader dans la forêt pour trouver des vivres. Il y a des munitions partout. Je ne serai jamais à court d'ammo. Le munition. C'est pas possible. T'as un pistolet. Ah non, c'est pour pistolet mitrailleur, ok. C'est pour le Easy. Qui est déjà chargé. Mais bon, je peux utiliser mon pistolet mitrailleur contre des petits lapinous. Ouais, je l'ai tué de si loin. On dirait un vrai sniper. Passer les buissons qui sont franchement pas très bien faits. Ouais, bon, c'est vrai que je suis un peu déçu graphiquement. Ouais, c'est moyen, c'est monotone. À dire que c'est un peu du même style que Resident Evil 6. Pas eu beaucoup d'évolution. Encore dans Resident Evil Révélation sur 3DS. On dit c'est normal, c'est normal. C'est un jeu portable. Même s'il était franchement très impressionnant pour une console portable. Mais bon, là, on n'est pas sur console portable. On est sur PC, quand même. Ouais, bon, je trouve pas... je trouve pas d'autres petits lapinous. Une petite cabane. Ah, ah mon Dieu! Cette horreur! Ah, il y a des insectes. Manger ces insectes, si bien sûr, c'est comment les cuisiner. C'est une idée tellement géniale que je vais même pas laisser. Ah purée, il y a un chien qui nous fonce dessus. Ah, si c'est un chien. Je sais. Tu vas me laisser tirer ou tu vas continuer à te plaindre? Ah, c'est un vieux, hein, il va continuer à se plaindre. Ah, des lapinous. Comment Claire tenait son arme déjà? Ah, même si je l'ai pas eu, je crois. Ah oui, ok, faut qu'on ait 4 sacs en tout. 5 sacs. Ok. En haut à gauche, on voit à peu près ce qu'on a chassé, enfin. Si on peut dire ça comme ça, il y a un rat. Je pense pas qu'il va manger des rats. Hein. Mais bon, on est quand même avec un SDF, donc je pense que si. Il ne faut rien laisser tomber. Ça fait déjà 9 minutes. Il nous reste plus que... Bah, il reste plus que 7 minutes 10, là, c'est... C'est stressant. Mais bon, je vois pas grand chose ici, hein. On peut pas aller plus loin. Munition de pistolet, munition de mitrailleuse. Easy. Bon bah, on va sprinter. J'utilise pas assez le bouton sprint. Et je sais pas si le personnage risque de se fatiguer. Ou alors si c'est comme Resident Evil 6. Peut-être parce que tu m'as pas demandé gentiment d'avancer. Est-ce que les lumières sont dynamiques? Ah non, pas de luminosité dynamite. Et dynamique, ce que je raconte. Bon, on a un peu l'habitude maintenant.
Bah, il n'y a plus d'animaux. Que se passe-t-il? Ah! Un insecte! Ah, il est plus résistant que les autres. Des fois, il y a des insectes. Enfin, des insectes. On dirait des espèces d'araignées. Ouh! Un petit lapinou qui se tient debout, c'est tout mignon! Voilà. Bon. Ah, et c'est le papy qui faisait bouger les buissons. Hein. Ouais. Je vois pas grand chose là. Je crois qu'il faut retourner au début. Pour trouver d'autres viandes, je sais pas moi. C'est bizarre comme mission quand même. Bon, c'est original. Ça passe pas trois pattes à un canard, mais bon. Et je dois faire quoi là? Ah, un lapinou! Je sais pas si je l'ai eu. Je pense que oui. Ah non, mais c'est pas un lapinou! De loin, je croyais que c'était un lapinou, d'accord. C'est la roche qui est comme ça. Ok. Je pense avoir des problèmes de vision. Bah, je vois plus rien là. Ils sont où ces buissons? Ouais, mais là, il reste plus qu'une minute! Ouais, on prend ça. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'avais plus de sacs que ça avant. Bon. Ah bon, j'ai pas grand chose à dire. Parce que c'est. En fait, c'est une espèce de mission course-poursuite des animaux. On doit chasser le plus possible. C'est en fait un mode mercenaire, mais animaux. Tout simplement. Donc là, en fait, c'était au tout début. Bon. En fait, j'ai loupé pas mal de lapins, je pense. C'est à cause de ça. J'aurais peut-être pas dû aller trop vite. Parce que là, on peut plus aller plus loin. Hein. J'ai vraiment tout fait. Ah, peut-être un petit insecte quelque part. C'est toujours quelque chose. Ah oui, il y a un lapin. Un lapin qui se barre et qui est plus là. Bon. Je crois que le soleil il va se coucher. Hein. Ouais, notre pote qui fout rien. Mais j'ai envie de dire, comme d'habitude, hein, le coéquipier ne sert pas à grand chose dans les Resident Evil. L'IA n'est pas tip top. Et. Ah, la pile est où? Son réflexe. Oh là là! Ah mais c'est magnifique! Sprint! Ah, il commence à y avoir des lapinous là. Des lièvres ou des lapinous. Peut-être qu'il y a des scarabées là sur les arbres. On sait jamais, on sait jamais. Ah! Vite! Ouais, on pile quand il commence à y en avoir en plus. Hein. Il n'y a plus qu'une minute 49, je doute qu'on puisse réussir. On aurait essayé. Ah, purée! On l'a lui, on l'a. Il avance à 2 à l'heure en plus. Il avait un balai dans le cul.
Ah, je pense pas qu'il va en ressortir. On va se barrer, on va aller là-bas. Peut-être que j'ai pas tout fait. Ah, c'est le même tonneau que dans Resident Evil 4. C'est la nostalgie qui parle. Juste pour un tonneau. Allez, est-ce qu'il y a des scarabées là? Quelque chose? Ok. On peut pas péter vite. Vite! Alors, je pense qu'on va se quitter parce que ce fut un fail. Ce fut un fail mémorable. Bon voilà, c'était un petit bonus en plus de la vidéo découverte d'avant. Bon là on fera... Tiens je sais, on va faire l'autre épisode spécial, direct après. Sauf s'il se passe quelque chose d'incroyable. Il y a 10 000 scarabées qui arrivent, insectes je veux dire, comme ils le disent. Fail! Recommencer depuis les derniers checkpoints. Ok, on va peut-être recommencer s'il y avait un checkpoint. Après la chasse, tu vas à l'entrée de la scierie au fond de la forêt. La grande porte, je m'en souviens. Très important, arrive avant le coucher du soleil. Sinon, les monstres auront cloche au dîner. Miam, miam, miam. Je te souhaite bon appétit à toi aussi. Bon. Maintenant tu mets. Très important. Ouais, ouais. Mettons-nous en chemin. Bon, hein, bah, finalement, je vais continuer parce que là, je vois que. Putain, j'ai horreur des armes à feu. Travaille au lieu de pleurnicher. Je vois que, bah, on. D'accord. Il nous reste. Enfin, que ça a comptabilisé quand même quelques monstres qu'on a tués avant. Pauvre animal. Animaux, je veux dire. On est tellement habitué à des monstres dans les Resident Evil. Voilà. Pauvre petit lapin. Voilà. Dans les fesses. Bon bah là je pense que ça va aller finalement. Il y avait un checkpoint, c'est tranquille. Tous les animaux ont repopé. C'est bien. Il y a un insecte. Tellement génial que je vais même pas l'essayer. Alors cherche une nourriture que tu aimes. Serpent, gras, lapin. C'est avec une chance à hamburger sauvage. Deux lapins. Je suis vraiment fort. Je commence à me réveiller là. Attention. On va péter cette caisse. Peut-être des munitions. Et est-ce qu'il y a d'autres lapins? Les lapinous? Ok. Ah. Ah, je l'ai eu. J'ai entendu son petit cri. Là. Là, si je me souviens bien, il y avait un insecte. Un gros insecte. Hop. Ah, et je suis full. C'est parfait. Enfin, c'est facile en fait. T'as, ils te mettent un checkpoint comme ça, c'est facile. C'est bizarre que ce soit aussi simple. Ça, adieu. Là, il y avait un chien. Voilà. Ah. Un chien, ce qu'il en reste. Je sais. Tu vas me laisser tirer ou tu vas continuer à te plaindre? Par contre, c'est bizarre que ça fasse un écran noir à chaque fois qu'on ouvre une porte. Concentré. Comment Claire tenait son arme déjà? Parce que c'est peut-être là qu'il voulait qu'on y aille. Ah, le shotgun.
Et non, c'est pas là. Alors, il parlait d'une grande porte. C'était peut-être... Ah aussi, le... Ah non, je suis con, c'est la porte bougeonnée. Ah. J'avais même pas vu ça. Finalement, j'aurais vraiment pas eu beaucoup de temps. Bon, fusil à pompe, hein, vite fait. J'ai pas trop eu le temps de prendre mon petit flingue. Parce que bon, ils ont pas l'air bien coriaces quand même. Et. Ah, une grue. Un rat. Bon, la grue, elle est petite, hein. Oh, génial. Laisse-moi remonter mon jupon de petite fille bien sage pour pas que je le salisse. Quand ce sera fait, va à la porte. Oui, monsieur. Ah, c'est déjà fait, en fait. Je dois déjà aller à la porte, mais je sais pas où elle est, ta porte. Voilà, il y a un zombie qui va nous sauter dessus. Attention. Attends. Plus de cac. Oh, avec le pied de biche à la Half-Life, c'est tellement bien fait. Ils die assez rapidement quand même ces zombies là. En même temps on est en facile. Ah purée. Ah purée. Ah mais j'ai pas d'herbe. Oula, oh purée, oh oui j'ai pas d'herbe. Il faut recharger ça. Attends, c'est que deux coups. Comme l'autre fusil à pompe d'avant. On prend ça. Est-ce qu'il est mort? Ouais. Les animations sont vraiment pas mal. Ah voilà, cocktail Molotov. Voilà, j'avais oublié avant, dans la vidéo d'avant. Une bouteille explosif qui enflamme tout sur son passage. Oh purée! Ah, j'aurais dû regarder la porte avant. J'étais un peu trop gourmand. Bon, les chiens ils sont vraiment pas coriaces. Hein. Je vois pourquoi le vieux il utilise carrément un shotgun pour les tuer. Donc vous me direz, une IA incroyable. Bon, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir récupéré une herbe et alors que ça me dit zéro. Bon. Mais à part ça, je sais pas ce qu'il faut faire. On va prendre des pistolets, munitions pistolets. Ah, une herbe rouge. Intéressant. On peut monter. J'ai l'impression d'être déjà passé par ici. Ah oui. Ce n'est pas qu'une impression. Mais elle est où sa grande porte? Ah, c'est de la viande, mais on peut pas en prendre. Vu que je suis full. Bah, c'est ça alors. On a eu ce qu'on voulait. On peut rentrer. Ok, bah, c'est ça. Bien. Ça devrait faire l'affaire. Enfin, j'ai envie de m'allonger et de dormir. Ok. Dormir? On verra ça plus tard. Aide-moi à découper la viande. Génial! Des travaux pratiques. Je pensais que c'était fini. Je pouvais plus me laisser commander par un homme qui pensait tout savoir mieux que moi. J'ai demandé pourquoi on n'essayait pas de quitter l'île. Il m'a dit, miette, que c'était inutile, que je devais affronter la réalité. Sa maison, ses règles. Mais je voulais pas abandonner tout espoir. Pas encore. Je ne pensais qu'à... Je ne pensais qu'à mon père, en fait. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Barry. Il était sur son lit de mort. Il était vraiment triste. Il était tout seul. Il rouspétait plus. Il n'y avait plus rien en lui. Lorsque je me suis réveillée, je pleurais.
quoi. Est-ce que ce petit épisode spoil l'histoire en fait? J'espère que non. Et puis, un jour, j'ai vraiment merdé. J'avais promis au vieux de pas sortir la nuit, mais après une journée passée à chasser, je voulais juste quitter cette île, vous comprenez? Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est les attirer vers notre cachette. Et là, tout est parti en vrille. Tu les as conduits ici! Alors fallait partir! Je suis désolée! Aide-moi! Ok. Je devrais te faire partir. Ah bon. Historiquement, ça doit pas être incroyable. Mais bon. Capcom! Capcom et Resident Evil. Alors on va prendre du flingue. Balle de flingue. Ceux-là ils sont assez résistants. Couvre-moi. Enfin, quoique là, le Uzi c'est assez puissant. Ah purée, ils sont derrière. Vite. Il reste en 16. Ah, faut les tuer. Ah boy. On va prendre petit flingue. Attention parce que des fois ils nous sautent dessus. Ah, super attaque au cac. Super attaque au cac. Je crois qu'il est mort. Oh purée, il y a un gros. Faut se le faire mais avec ça. Et un cocktail Molotov aussi. Ah. Mais je ne peux plus. Ah si c'est là. Souffre. Voilà. C'est pas compliqué. Oula, bah d'accord. Attention. Ces ennemis là en plus ils sont assez puissants au cac hein. Ils peuvent faire démarrer une hémorragie quand même. Tu pourrais pas m'en donner un peu, espèce de pince? T'en as plein! Je fais ça depuis longtemps. Plus d'expérience, plus de balles. Et plus de foutaise aussi. Ouais, je crois qu'on peut pas aller plus loin. Hein. En fait, on est bloqué ici. Pendant tout ce temps. Flingue. Faut faire gaffe à nos munitions. Hein. Pas utiliser n'importe comment comme là. Qu'est-ce qu'il fout lui? Ah, c'est les mêmes bruitages que Resident Evil 6 quand il crève. Loul! Ah, eux ils explosent, je crois. Boum! Attention. Lui, il a l'air énervé. Il est mort, je crois. Ok, il y a un gros. Mais il faut le tirer à la jambe, normalement. Ouais. Ah, et on peut changer de perso. Ah oui, on peut prendre le vieux pépé. Après, il a carrément un sniper, lui. Ah oui, ça va être pratique pour tuer ceux-là. Putain, le papy Mujo, il est fort, attention. Ah, et on regagne de la vie comme ça, ok. C'est bizarre, mais il était blessé, je crois, quand je l'ai pris. Donc oui, notre compagnon peut crever, je pense. Moi, bon, maintenant, faut recharger l'autre zombie, là. Là. Ah, purée, il y a carrément un sniper, quoi. Bon, je vais reprendre... Il en viendra d'autres. Il faut qu'on bouge tant que c'est possible. D'accord. Oui. Mais bouger, comment? Monter là-haut. Ah d'accord, c'est téléportation. J'ai des armes cachées quelque part. J'ai risqué, mais nous devons les récupérer. On va pas faire long feu à courir n'importe où comme ça. Bref, on entre, on sort. Ouais, c'est sympa, au moins ils se parlent entre eux. Euh...
Ouais, d'accord, 4 minutes 53, on a encore timé. Je crois qu'on va être pas mal timé en fait dans ce. Dans cet épisode. Qui est peut-être un DLC. Parce qu'il m'a l'air assez spécial cet épisode. Oh purée! Finalement, le shootgun, c'est pas si puissant que ça. Il est déjà mort? Il est pas résistant celui-là par rapport aux autres. Voilà, je vois pas ce qu'il faut faire à part aller devant. On s'en souviendra, il y a un baril explosif ici. Sinon pour Resident Evil 6 et aussi le 5, je ferai peut-être, et d'ailleurs le 4 surtout, je ferai peut-être un vidéo test, c'est sympa. Comment on avait fait avec Firefly quelques parties, Resident Evil 4 je me souviens, au tout début du commencement de la chaîne, avec une qualité déplorable, c'est pas grave. Que je fasse un vidéo test là-dessus, mais aussi sur la version PC. Hein. Alors, je crois que je suis full munitions là, non? Oh non. Je me fais attaquer. Ah, cette esquive de fou. Purée. En tout cas, les zombies sont beaucoup plus vifs. Hein. Purée. Ça change de Resident Evil 6 par exemple. Même s'ils étaient assez vifs, ils mettaient quand même du temps. Ils restaient un peu lents alors que là ils me semblent quand même assez rapides. C'est plus trop des zombies là. En tout cas niveau gestuel. La furie. D'accord, je me fais défoncer. Enfin, je crois qu'il faut descendre là, non mais... Je comprends pas. Activer un truc comme ça. Bon, lui il me saoule. Bon, il va s'en occuper. Finalement, il est pas si inutile que ça. Ah mais j'ai même pas fait gaffe, on a plus le timer. Ah d'accord, téléportation. Il en vient de partout. On fait des TP hein, dans ce jeu. Ah mais c'est une technique de speedrunner. Oh purée. Alors lui il va monter comme un con. Donc il va se prendre ça dans la tronche. Je crois qu'il est dead. C'est toujours sympa de faire une attaque au cac. Et attention parce que j'ai lu que quand notre pote se fait toucher, on ne peut pas changer de personnage à tout moment quoi. Enfin, quand il se fait toucher, on peut pas changer direct de perso. En même temps, il risque d'être en danger et ça nous met une espèce de petite icône. Ça va, ils sont moins résistants qu'avant. C'est quoi, c'est... Je m'améliore au tir? Oui. Bon, tant pis. Bon, on va monter. Tel molotov. Okay, ça a bien marché, hein, ça fait mouche. Ah ouais, complètement. Hein, ça les a tués tous les trois. Il y a notre pote qui est à moitié bugué. Et... Bon, il en reste encore 17. Oh purée, c'est quoi ça?
Bon, je crois qu'il y a besoin du sniper. Après, il a utilisé plein de munitions. Je sais pas d'où vient ce monstre. Attention. C'est balayé. Alors, on va courir. Bon, après les 16 ennemis, je pense que j'arrêterai. Encore pour l'upload, machin. Attention! Ah purée! Ah d'accord, le petit vieux il donne des petits coups aussi. Hein. Le truc qui est plus costaud que ça. Ah purée! Toujours pas mort lui. Ah purée, elle est en danger. Et viens. Ouais, elle est bête. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas. Okay, elle est presque morte. Elle fait du grand n'importe quoi notre copine. Oui, c'est bon, il va mourir. Plus que 9 ennemis. Il est toujours pas mort. Ah purée, j'ai plus de balles. C'est magnifique. Ça va commencer, balle en main. Rupture de balles. On se le fait comme ça vite fait, même si j'ai un peu gaspillé ce baril. Ah bah je l'ai gaspillé. Je pense pas que ça fasse grand chose. J'ai plus de trucs. On va changer de perso, purée, il se fait défoncer lui. Après il y en a deux. C'est une blague. Ça commence à être speed là. Ok, fonce dessus. Je ne l'en croyais pas capable. Oh purée, mais d'où il vient? Le vieux était furieux. Je peux pas lui en vouloir, j'ai failli causer notre perte. Il m'a dit d'accepter la réalité, de me concentrer sur ma survie. Et j'aurais dû l'écouter. Alors, je me suis promis que je ferais de mon mieux, que je travaillerais dur. Tant que l'île était plus forte que moi, il n'y avait aucune échappatoire. Bon voilà, ce fut la fin de cette vidéo découverte. Sur ce, je vous dis à l'heure meilleure pour de nouvelles aventures.